Bonjour à tous, ici Angéline du blog Carnet Prune et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui à Disneyland Paris pour le 22e épisode de My Sparkling 25. Comme vous le savez, je suis hyper fan de la période de Noël et aujourd'hui j'ai la chance de vous emmener découvrir un des nouveaux spectacles de Disneyland Paris au programme de la musique, des claquettes et évidemment Noël. Salut Arnaud. Salut Angéline. Tu vas bien? Oui, et toi? Dis-moi, où nous sommes aujourd'hui? Nous sommes actuellement en répétition pour le spectacle Mickey et le Big Band de Noël. D'accord. Qui va se trouver où dans le parc? Ça se jouera à Videopolis à partir du 11 novembre. Avec toute une troupe de musiciens et de danseurs? Musiciens, danseurs, chanteurs, effectivement. Et c'est un spectacle qui va se faire combien de fois par jour? Jusqu'à 5 fois par jour, 4 ou 5 fois par jour. Avec la même troupe? La même troupe, à peu de choses près, oui. Et du coup, je suppose qu'il y aura des costumes? Exactement, de très beaux costumes qu'on est en train de fabriquer. Et donc, c'est un spectacle qui va mêler chants de Noël, oui, mais aussi claquettes. C'est un hommage qui va être dans la pure tradition du musical, alors avec des musiciens live, des chanteurs live et des danseurs qui vont faire une grande partie de claquettes. Une grosse part du spectacle sera des claquettes. Et est-ce que tu as le droit de me dire s'il y aura des personnages Disney dans le spectacle? Je peux te le dire. Mickey et Minnie qui adorent la musique, qui adorent le Big Band sont là, et aussi Dingo. Et est-ce que tu penses que les claquettes, ça peut s'apprendre en d'autres mouvements? C'est quand même assez compliqué, mais on a un super chorégraphe claquette et je pense qu'il pourra faire quelque chose pour toi. Ouais. Ça marche. Step, shuffle, step. Ouais, bah oui, ça, ça change. Alors, comment ça s'est passé? Alors, visiblement, les claquettes, ce n'est pas mon truc. Du coup, je viens te voir pour parler musique. Peut-être que j'ai plus ma chance. Eh bien, écoute, tu tombes bien parce que sur ce spectacle, la musique, ça a vraiment une très grande importance. Comme je te l'ai dit, c'est un spectacle de jazz Big Band. D'accord. Donc, c'est un vrai hommage à toute la musique Big Band. Est-ce que tu peux me dire combien de musiciens on trouve sur scène? On a 13 musiciens, ouais, qui vont jouer en live tous les jours. Et donc, beaucoup d'instruments, beaucoup de musique. Et est-ce que tu peux juste m'en dire un peu plus sur les instruments qu'on trouve sur scène? Bien sûr. Alors, on a le piano tout d'abord, avec un très très beau numéro qui nous attend. Nous avons aussi une contrebasse, nous avons toute une section d'instruments à vent, beaucoup d'instruments à vent, et la batterie qui prend une place très importante dans le spectacle, mais je te laisse le découvrir. Je sens le petit teasing là. Exactement. Du coup, rendez-vous le 11 novembre. Rendez-vous le 11 novembre à Videopolis. Et ben, je viendrai avec mes chaussures de claquettes. Parfait. Alors, à je très serai vite. Là. Au 11. Merci. À plus tard. J'espère que cet épisode de My Sparkling 25 vous a plu. J'espère que toi aussi ça t'a plu. En attendant, je vais aller bosser les claquettes parce qu'il y a du boulot. Jérémy, les claquettes, on y va? Jérémy.